gorille est le plus grand singe vivant au monde. Il fait partie de la famille des hominidés, comme l'homme. Selon une étude récente, il en existe deux espèces, le gorille de l'Ouest, Gorilla gorilla, le gorille de l'Est, Gorilla beringae. Il vit dans les forêts denses, où il se nourrit de plantes. C'est un singe exclusivement herbivore. Les gorilles vivent en famille, dirigés par un grand mâle âgé appelé le dos argenté. Les gorilles sont les plus grands des hominoïdes. Les mâles, en particulier, peuvent développer une force physique colossale. Les gorilles vivent en groupe dans les forêts tropicales ou subtropicales, où ils se nourrissent de végétaux et parfois d'insectes. Leur présence couvre un faible pourcentage de l'Afrique et ce sont des espèces menacées de disparition. On les trouve à des altitudes très variées. Les gorilles des montagnes vivent dans les forêts de nuages des montagnes des Virunga, d'une altitude allant de 2200 à 4300 mètres. Les gorilles des plaines de l'Ouest vivent quant à eux dans les forêts denses et les marécages des plaines. Le gorille est, après le bonobo et le chimpanzé, l'animal le plus proche de l'humain du point de vue génétique. Cette parenté a été confirmée par les similitudes entre les chromosomes et les groupes sanguins. Le génome humain ne diffère que de 1,57% de celui du gorille. Les gorilles atteignent une taille de 1,70 m, mais ils sont en fait un peu plus grands car ils ont les genoux fléchis. L'envergure des bras dépasse la longueur du corps et peut atteindre 2,75 m. Il existe une grande différence de masse entre les sexes, les femelles pèsent de 90 à 150 kg et les mâles jusqu'à 275 kg chez les gorilles de montagne, le pelage dépend du sexe et de l'âge. Chez les mâles les plus âgés se développe sur le dos une fourrure gris-argentée, d'où leur nom de « dos argenté ». Le pelage des gorilles de montagne est particulièrement long et soyeux. Comme tous les hominoïdes, les gorilles sont dépourvus de queue. Leur anatomie est puissante, le visage et les oreilles sont glabres. La face présente un torus usorbitaire marqué. Longévité, 30 ans en milieu naturel, jusqu'à 50 ans en captivité, durée de gestation, 250 à 270 jours, longueur moyenne du pénis en érection, 5 cm. Les gorilles, comme d'autres singes proches de l'homme, possèdent des dermatoglyphes, équivalents des empreintes digitales, y compris sur les phalanges des mains qui sont des zones de contact avec le sol quand le gorille marche sur les poings fermés ou à demi ouverts. Les gorilles habitent les forêts denses où ils sont actifs le jour. Tandis que les gorilles des pays plats préfèrent les forêts tropicales humides, les gorilles des montagnes vivent plutôt dans les forêts secondaires. Les gorilles des montagnes se tiennent la plupart du temps au sol. Les gorilles des pays plats grimpent souvent dans les arbres à la recherche de nourriture. Même les mâles lourds montent fréquemment dans des arbres dont la hauteur peut atteindre 20 mètres. À terre, les gorilles marchent à quatre pattes en s'appuyant sur les phalanges de leurs mains et non sur les paumes comme d'autres singes plus franchement quadrupèdes. Chaque nuit, pour se reposer, ils construisent un nid de feuilles en à peine 5 minutes. Les gorilles de montagne ont leur nid à terre la plupart du temps, les gorilles des pays plats dans les arbres.
Les gorilles vivent en groupe dans des harems en polygyne avec à leur tête un mâle adulte appelé « dos argenté ». La composition des groupes varie de 2 à 30 individus, la moyenne se situant entre 10 et 15. En général, chaque groupe se compose d'un mâle adulte, mâle à dos d'argent, d'un nou de plusieurs mâles plus jeunes, mâle à dos noir, de plusieurs femelles adultes, 5 à 6, et de quelques petits. Lorsqu'il y a plusieurs mâles dans un groupe, seul le mâle dominant peut s'accoupler. Le comportement des groupes est variable. Les séparations temporaires pour la recherche de nourriture sont fréquentes. Contrairement à beaucoup d'autres genres de primates, ce sont le plus souvent les femelles qui quittent le groupe pour en trouver un autre. Les groupes durent généralement longtemps, parfois surviennent des luttes entre mâles pour savoir qui dirigera le groupe. Si un nouveau mâle gagne, il tue la descendance du vaincu. On peut voir dans cet infanticide un profit biologique du fait que les femelles qui allaitent ne peuvent pas concevoir, et après la mort de leurs petits, sont rapidement prêtes à copuler de nouveau. L'instinct territorial est peu développé. Plusieurs groupes cherchent leur nourriture aux mêmes endroits mais en s'évitant les uns les autres. Comme leur nourriture se compose surtout de feuilles, ils n'ont pas à aller bien loin pour la trouver. D'abord parce que les feuilles abondent, ensuite parce qu'elles sont peu nutritives et souvent difficiles à digérer, ce qui les oblige à de longues périodes de repos. Les gorilles disposent d'une série de sons, de cris, d'attitudes et de grognements qu'ils utilisent pour reconnaître les membres de leur groupe et les étrangers et aussi comme moyen d'intimidation. On connaît bien leur façon de se frapper la poitrine. On croyait autrefois ce comportement réservé aux mâles plus âgés. On le retrouve en fait chez tous les individus. Il sert probablement à signaler sa position ou il s'agit d'un rituel de bienvenue. Les gorilles comme les chimpanzés consomment des feuilles épineuses, riches en tanins, pour se débarrasser des parasites intestinaux qui les gênent. Ils en avalent une quantité assez grande sans les mâcher, si bien qu'elles grattent les parois intestinales et en délogent les vers. Ces grands singes pratiquent dans leur propre zone d'habitat naturel, à l'instar des humains de la région, la consommation d'argile pour guérir les gastro-entérites. Les gorilles se nourrissent principalement de végétaux, fruits en grande partie, pousses, tiges, feuilles, mais parfois aussi d'insectes. Grâce à ce régime alimentaire et leurs nombreux déplacements, les gorilles participent à la régénération des forêts. En ingérant une grande quantité de graines et en les rejetant dans les trouées forestières, les gorilles participent activement à la régénération forestière. On a longtemps pensé que les gorilles étaient les moins doués de la famille des grands singes et qu'ils ne savaient pas utiliser d'outils. On a observé récemment que les gorilles des plaines de l'Ouest utilisent des bâtons avec lesquels ils sondent les marécages et les cours d'eau avant de les traverser.
Leur aire de répartition se partage sur deux massifs forestiers géographiquement distants de quelques 1000 km, l'un est situé à l'est de l'Afrique centrale, l'autre à l'ouest de celle-ci. En raison de leur stature imposante et de leur mode de vie, les gorilles n'ont pas de prédateurs à l'état sauvage. Exception faite de l'homme et du léopard, ce dernier pouvant à l'occasion attaquer un individu vulnérable ou isolé. Ces attaques demeurent cependant extrêmement difficiles à observer ou enregistrer. En outre, dans un milieu tel que celui fréquenté par les gorilles, les restes d'un animal tué sont rapidement dévorés par les charognards et donc rarement relevés. Pourquoi est-il menacé? La moitié a disparu en 20 ans car les hommes les tuent pour manger leur viande. Ils ne peuvent plus se reproduire car les hommes enlèvent leurs bébés. En plus, ils attrapent les maladies humaines au contact des hommes. Le coltan, minerai utilisé dans la fabrication des consoles de jeux, des téléphones portables et d'appareils électroniques, est un matériau rare qui se trouve sur les territoires où vivent les gorilles. Pour récupérer ce coltan, beaucoup de gorilles sont tués et des guerres éclatent ayant de graves conséquences pour l'animal. Aujourd'hui, les gorilles sont en danger, à cause de la chasse au gibier, de la perte de leur habitat, du commerce d'animaux et des maladies infectieuses. D'autre part, les caractéristiques biologiques des gorilles, à savoir un taux de mortalité infantile élevé, une longue gestation, environ 8 mois et demi, une tendance aux naissances uniques ainsi qu'une longue période de soins maternels, en moyenne un seul petit est élevé, les rendent particulièrement vulnérables à ces menaces. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.